Après les 22 agents de sécurité de proximité radiés dans la région de Jigenchor au mois de février dernier pour participation à une manifestation interdite, 16 autres ont reçu leur notification de radiation ce lundi 25 avril 2022. On leur reproche leur participation à la marche non autorisée du mois de février dernier à Jigenchor. Au total, c'est 128 éléments qui ont été remerciés au Sénégal. La région de Jigenchor enregistre le plus grand nombre avec 33 ASP dont plusieurs se disent injustement radiés. C'est le cas pour Patrice Joseph Senghor qui a brandi devant la presse des documents qui justifient sa thèse. J'étais à 24-25 km de Jigenchor, j'étais à Sindone. C'est une injustice totale. La permission, l'administration, souvent on nous parle d'eux, c'est les papiers qui justifient. C'est ce qu'on dit dans l'administration. La signature, ça vient du commissariat. Le cachet est là. Là, c'est mon chef de poste. Là, c'est le commandant du corps urbain. Là, c'est... vous imaginez? J'ai quitté Jigenchor le 13, l'événement a eu le 15. Je suis reparti du village parce que le 15, c'était ma brigade descendante. Le 16, la brigade doit être la circulation. J'ai quitté le village le 16 soir parce que le 17, je dois me rendre au poste police. Il y a de ces gens qui ont été radiés sans pourtant qu'ils ne faisaient pas partie de la manifestation. Nous sommes au nombre de 16. Au commissariat central, on est au nombre de 6. Au poste police de Yamoton, on est au nombre de 10. Imaginez-vous. Ces responsables de famille remerciés par l'État à quelques jours d'une corité que les Sénégalais oublieront difficilement à cause surtout des difficultés inhérentes à la cherté de la vie ont passé une fête de l'Eid el-Fitr très compliquée. Jigenchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Wolfa Diri.